Patrick Mouise. Patrick. Ah, vous êtes accroupi dans le coin. C'est bien comme idée. Non, c'est pas carnaval, je suis maître Jolie, avocate. Maître Jolie, commise d'office pour votre défense, Patrick. Ah, les éclairages sont pas bons ici. Patrick non plus n'est pas déguisé en carnaval. Il a juste mis son petit blouson de Buffalo Bill et le pantalon de Sky qui va avec et plusieurs boucles d'oreilles. C'est chouette, Patrick. Bien. Alors, il sait ce que c'est qu'un avocat, Patrick? Et un avocat commis d'office, il sait? Il veut que Maître Jolie explique? Non. Patrick ne veut rien dire. Patrick ne veut pas parler, c'est dommage. Bien, eh bien alors on va regarder le dossier, on va l'analyser, comme je dis. Voyons alors, pourquoi est-ce qu'il est ici, Patrick? Je vois là accident avec préméditation, vol, effraction, coups et blessures et injures. On était donc avenue Parmentier au magasin Félix Potin. Patrick, il est entré dans le magasin avec la moto. Et après, il a voulu étrangler le gérant avec un sandeau. C'est fort comme histoire. C'est New Wave, un peu comme style. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick? Voyons alors, qu'est-ce qu'il a déclaré là-bas, avenue Parmentier, sur le coup? Il me fallait de la thune pour mon pot catalytique. L'autre enculé, il m'a bloqué avec son meuble de froid. J'y ai fait un wheeling sous le pif. Je l'ai peigné à coups de cric. D'accord. En somme, vous lui avez fait une sorte de brushing. Mais le monsieur de Félix Potin n'était pas demandeur. Du coup, ça l'a mis colère et il a appelé la police. C'est ça, Patrick? Rien à ajouter? Bien, bon, on peut déjà essayer de faire quelque chose de pas mal avec ça. Mais enfin, s'il y a un autre argument, faut le dire. Non. Patrick ne veut rien dire. Patrick ne veut toujours pas parler. C'est vraiment désolant parce que la défense de Patrick, c'est comme un clip, un super clip. Et c'est Patrick la vedette. Et plus Maître Jolie a des choses chouettes à dire sur Patrick, plus c'est chouette. Comment? Rien à carré. C'est quoi ça? Un carré frais? Il veut un carré Gervais? Non? Ah, rien à carré. Pourquoi vous dites rien à carré? Ne dites pas ça, Patrick. Si on veut faire quelque chose de bien, vous et moi, c'est certainement pas en répétant des choses comme ça. Faut être cool, Patou. Bon, alors enchaînons. Mademoiselle Saïdo Lucette, née en 1902, c'était en septembre, hein, dans le hall de son immeuble rue Saint-Maur, vous lui avez arraché son sac, son chapeau, son imper, son chandail, il y a même le damar qui est venu avec. Et vous avez déclaré aux policiers, « Elle voulait apprendre le rock'n'roll. » Bon, ça me plaît bien, ça, celle-là. C'est un côté West Side Story. Ce qui complique, c'est que les policiers sont allés voir Mademoiselle Saïdo à l'hôpital et qu'elle a nié vous avoir demandé de lui apprendre le rock'n'roll. Enfin, dès qu'elle est sortie du coma, elle a nié. Mais elle sait pas ce qu'elle veut, cette Lucette. On va en faire une vieille qui déraille, qui perd le contrôle de son mind. Hein, Patrick, qu'est-ce que vous en dites? Décrivez-moi un peu Lucette. Vous la connaissez, moi, pas. Parlez-moi, parlez en confiance. Je comprends pas ce que vous dites. Les meufs, c'est fait pour les tirer. Les vieilles meufs, qu'à crève, ça fera des logements. Ah oui, mais non, je veux dire. Les carrés, les tirés, c'est sans arrêt la même chose. Vous réalisez la pauvreté de vos verbatimes sur le plan sémantique, Patrick. On peut rien faire avec ça. Non, non, ne vous levez pas, restez accroupi. Ça a quelque chose d'aborigène, c'est pas inintéressant.
Bien. Alors, Patrick, on va s'y prendre autrement. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Patrick, on va dessiner papa et maman. Non, pas les miens, papa et maman, de patou. Maître Julie va donner un beau papier et des beaux crayons à Patrick. Comment non? Les crayons un peu se les carrer dans le cul. Oui, c'est pas forcément une mauvaise idée, qui ça? Ah, moi? Moi, carrément, comme ça? Restez assis, Patrick! Comment vous pouvez appeler des gens ici? Y a pas une sonnette quelque part? Hein, Patrick, restez assis, Patrick! C'est pas amusant pour vous de parler de tout ça, peut-être, mais si on veut faire quelque chose de créatif, il faut qu'on répète. Parce que l'histoire de votre papa, qu'on a retrouvé la tête prise dans un casier à homard, quand vous aviez 13 ans, un jour vous étiez partis à la pêche tous les deux, c'est pas facile à bien jouer, ça faut pas croire. Le dossier est même pas fermé, d'ailleurs. Non, non, je dis pas que c'est vous. Arrêtez de faire tournicoter votre Santiago. À quoi ça rime sur le plan scénique? En plus, c'est pointu comme tous ces bottes. Je dis pas que c'est vous. Même si les jurés ont été surpris que vous vendiez la montre Gousset de votre papa avant même la déclaration d'accident. Ça dénote en sens du patrimoine assez émouvant. Oui. Non, vous leur pétinez la gueule. Oui, non, non, c'est normal, Patrick, vous aviez besoin d'un clignot pour votre vélo. Ben, bien sûr. Bien sûr que ça ne peut pas attendre, ben alors. Non, mettez votre Santiago, Patrick. Non, c'est sûr, quand on va passer une belle occasion de clignotant, qu'on ne peut pas la saisir, ça énerve. Non, mais je comprends. Non, votre jean, Patrick, vous allez attraper froid. Ouh, quelqu'un a la clé. Comment on fait pour dire qu'on a fini, qu'on a fait le tour du dossier? Non, mais votre maman aussi, c'est sûr, c'est une vieille ordure. On l'a retrouvée électrocutée avec la main dans le grille-pain. Oui, oui, elle n'a pas volé. Ouh, il y a un gardien, mais qu'est-ce qu'il fout, c'est dingue. Non, mais le rock des vieilles meufs, c'est sympa comme idée. Oui, non, la moto dans le Félix Potin, c'est bien aussi. Finalement, aux États-Unis, il y a des épiceries en drive-in. Ouvrez-moi ou je vais tout casser, moi. Merde, j'en ai marre. Patrick.